I was wondering if you wouldn't mind transporting something for me. No questions asked. Why not? Que dire si ce n'est que, même si c'était con, le transporteur, objectivement, ça méritait pas de tomber à ce niveau-là, réellement. Parce que le transporteur 3 d'Olivier Mégaton est peut-être l'un des pires films que la production audiovisuelle française ait livré depuis un paquet d'années. Le transporteur 3 raconte l'histoire de Franck Martin qui, après avoir confié une mission à un de ses amis, se retrouve à devoir hériter de cette mission et va devoir transporter une jeune Ukrainienne qui se nomme Valentina jusqu'en Ukraine. Parce que voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on sait à peu près, on va dire, quand on arrive au début du film. Et vaguement, on découvre qu'il y a une histoire de conspiration, de complot écologiste, de déchets toxiques, enfin une énorme connerie derrière. Enfin, c'est assez pitoyable. Franchement, sur le papier, le transporteur, c'est une saga qui se prend pas au sérieux. Donc elle avait pas besoin de se prendre au sérieux, elle avait juste besoin de continuer dans son excès. Surtout après le 2, qui littéralement était un excès pur, et qui était presque un caprice de metteur en scène. Les Corey Yuen et Louis Leterrier avaient vraiment voulu en faire des caisses. Et voilà, ça marchait au final, on rentrait vraiment dans le délire. Là, Corey Yuen s'occupe que de faire les chorés, mais vraiment que de faire les chorés. C'est-à-dire, il a plus rien à voir avec la mise en scène, ou avec quoi que ce soit qui touche à la scénographie. Il se retrouve qu'à devoir faire les chorés. Et punaise, qu'est-ce que c'est mauvais, quoi. Ça, à aucun moment, on a la sensation que le film se veut intelligent ou essaye de se comprendre assez pour aller vers de l'intelligence ou en tout cas vers du fun. Le film n'est pas fun, quoi. C'est-à-dire qu'on passe son temps à se poser des questions et quand c'est pas des questions, c'est qu'on trouve le film débile, littéralement. Et c'est dommage parce que c'était pas bien compliqué quand même de faire un truc à peu près potable. Et même ça, ils ont réussi à le foirer. Donc déjà, au niveau du scénario, toujours signé par Luc Besson et Robert Marc-Cameron, bah ça marche pas, quoi. C'est un truc de dingue, mais ils ont même pas réussi à faire un truc assez débile pour que le metteur en scène puisse se l'approprier et le rendre encore et rendre fun, quoi. C'est-à-dire que on tombe des nues dès qu'on voit les premières minutes du film. C'est-à-dire que c'est pas cohérent, c'est très surfait, c'est souvent long. Et c'est souvent lourdingue, quoi. Tout simplement, c'est lourdingue, quoi. Le scénario, là, n'a aucune cohérence. On commence dans un cargo, des mecs meurent, on découvre rapidement qu'il y a des déchets toxiques, puis ensuite, les déchets toxiques, on s'en branle. Il y a trop de sous-intrigues, en fait, qui sont créées dans son métrage, et tellement que ça en devient vraiment purement et simplement débile, mais à un degré chronique, quoi. C'est même plus fun, quoi. C'est même plus délirant dans son aspect le plus excessif. C'est juste con, quoi. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on a la sensation que les personnages ont un développement ou un réel intérêt. C'est quand même pas bien compliqué sur le papier de faire une histoire à peu près potable. Les autres transporteurs avaient cet avantage d'avoir une intrigue, point, elle est posée. Et quand ça devient trop large, eh ben on en fait un truc con. Là, le problème, c'est que ça voudrait avoir une espèce de dénonciation sur des gouvernements qui acceptent que des entreprises déversent leurs déchets dans l'océan ou les stockent dans je ne sais où. Mais non, c'est pas fait pour ça, le transporteur. Je défie quiconque qui regarde la saga de transporteur d'avoir envie de se poser des questions sur l'environnement. C'est pas un reproche, c'est juste un fait. C'est-à-dire que le transporteur, c'est pas une saga qui est conçue pour se poser des questions sur la planète. C'est une saga qui est conçue juste pour prendre son fun et pour se marrer. Et là, non, ça marche pas. Et en plus de ça, les personnages sont les pires au niveau du développement. Enfin, Valentina est absolument débile comme personnage. Même Franck Martin est réduit à un espèce de... Ben voilà, juste un transporteur, quoi. C'est-à-dire qu'il a plus de profondeur, il a plus de création de personnage. Il est juste, voilà, le connard qui transporte la meuf d'un point A à un point B. Point. C'est tout. Et de temps en temps, il va devoir courir parce que sa bagnole, sinon, s'il s'en éloigne trop, et ben, il meurt. Voilà. Au niveau de la mise en scène. Alors, Olivier Mégaton, plus connu également pour s'être occupé de Taken 2 et Taken 3, et de Columbiana, et peut-être l'un des pires metteurs en scène que la France ait connu à ce jour. Même Pitoff, et pourtant Pitoff est pas forcément très bon comme metteur en scène, même Pitoff a livré des trucs plus intelligents que Olivier Mégaton.
Parce que il n'y a rien d'intelligent dans sa mise en scène. Soit il se sert de courses focales dégueulasses, soit ses plans mais sont surdécoupés à un degré. Oh, ça devient horripilant. C'est dingue, il y a des moments où il n'y a pas un plan qui dure plus de une seconde, quoi. Et puis quand c'est pas ça, il trouve le moyen de faire des espèces de montages ultra cut où il y a des flashs blancs qui nous arrivent à la gueule, un peu à l'image du générique de Tekken 2. Le générique de Tekken 2, c'est très sincèrement un des pires travails de monteur et de scénographe qu'il y ait eu de l'histoire du cinéma. C'est moche, c'est horripilant, c'est épileptique, c'est plein de flashs et c'est pas cohérent dans sa mise en scène. Et là, le pire du pire, mais Olivier Megaton arrive quand même à niquer la règle des 180 degrés qui consiste à ne pas dépasser une certaine ligne pour faire comprendre où sont les personnages. Et il y a des moments où on ne sait plus où sont les personnages. On ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait pas ce qu'ils veulent et on ne sait pas dans quelle direction ils vont. C'est un truc de dingue. Il y a des plans où il ne sait pas mettre sa caméra en place, où il brise la ligne des 180 degrés comme si c'était normal. C'est genre, la voiture va dans ce sens-là, et bien vu que la mise en scène ne respecte pas cette règle-là, on a l'impression qu'elle va dans l'autre sens ce plan après. C'est d'une tristesse, et puis il n'y a aucune compréhension du langage du monteur, quoi. C'est-à-dire, un monteur, c'est supposé retranscrire une action et la rendre limpide pour le spectateur. C'est jamais limpide dans ce film. On passe son temps à se poser des questions sur qui fait quoi, quand, où. C'est un travail de merde, en fait. C'est vraiment fait comme du caca, ce film. C'est jamais plaisant à regarder et ça fait du mal au cœur, quoi. On se dit vraiment, le cinéma peut livrer des choses bien meilleures que ça. Pourquoi ce film arrive-t-il à marcher, arrive-t-il à se faire, alors qu'il est mauvais? Enfin, voilà. Au niveau du casting, bon, Jason Statham, rien à en redire. Il est très bien, il arrive très bien à faire le boulot durant dans le rôle du transporteur. Natalia Rudakova est pas bonne du tout dans le rôle de Valentina. Elle surjoue à mort. Elle est très jolie, cette femme. Il n'y a rien à en redire. Elle est vraiment très belle. Mais elle ne sait pas jouer. Elle ne sait vraiment pas jouer. Ça passe pas au niveau du personnage. Robert Knepper, dans le rôle du méchant, est à l'image du film. C'est-à-dire qu'il ne se prend pas au sérieux. Ou il essaye, en tout cas. Et donc, résultat, ça passe à peu près. On se marre bien. Et François Berléand, comme Dag, ne sert évidemment que de gag. Mais alors là, il est tellement réduit à rien du tout qu'il n'en est même pas drôle et il n'en est même pas fun. Enfin, voilà. C'est... Le Transporteur 3, c'est ce qui a enterré la saga Le Transporteur et c'est ce qui a fait que longtemps, EuropaCorp s'est demandé comment ils pouvaient ressortir Le Transporteur des cartons. Au final, c'est dans un reboot. Mais voilà, Le Transporteur 3 était très mauvais. Et donc au final, qu'est-ce qu'on peut attendre du Transporteur l'héritage? Pas grand-chose, si ce n'est tout simplement qu'il soit meilleur que Le Transporteur 3. C'est pas bien compliqué. Après, le film part avec un énorme défaut qui est d'avoir confié la mise en scène à Camille Delamar, à qui on doit Brick Mentions, qui était pas très très bon au niveau de la mise en scène, ça c'est clair. Donc après, on verra ce que Camille Delamar arrive à en faire de ce long métrage, en sachant en plus que ce n'est plus Robert Mark Kamen et Luc Besson qui sont au scénario, mais il y a trois scénaristes maintenant, exit Robert Mark Kamen et Luc Besson, Adam Cooper et un autre scénariste se collent à l'écriture, ce qui peut amener un petit peu de nouveauté. Après, c'est à voir vraiment si ça peut donner de l'intérêt à ce long métrage, parce que sur le papier, en tout cas, il n'en a aucun. En tout cas, d'ici là, refaites-vous au moins les deux premiers Transporteurs, ça peut être fandard. Le 3, il est complètement indispensable, mais les deux premiers sont dans une certaine logique qui se suivent, donc ça peut être intéressant pour vous. Comme d'habitude, je vais vous dire d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films, même quand ils sont cons, débiles et décomplexés. Et on se retrouvera pour parler de films, évidemment, et surtout de Le Transporteur, l'héritage. A plus !